Eh bien, bonjour à tous. Merci et bienvenue à ceux qui sont dans la salle et puis ceux qui sont aussi en ligne. On est vraiment très, très heureux et honorés d'accueillir aujourd'hui Catherine Guéguen, puisque c'est une des personnes qui a vraiment contribué à changer le regard sur l'éducation en France, à la fois pour les parents, donc l'éducation au sein des familles, mais aussi dans l'enseignement, donc à l'éducation nationale en particulier. Elle a formé énormément d'enseignants, de responsables d'établissements. Elle a également créé un diplôme universitaire de soutien à la parentalité, le premier diplôme qui permet de se former au soutien à la parentalité en s'appuyant sur les résultats des recherches actuelles. Donc on est vraiment très heureux de tout ce qu'elle a apporté, très reconnaissant pour tout ce qu'elle a apporté pour notre pays. Et puis vraiment honoré de sa présence aujourd'hui, malgré la situation sanitaire, etc. Donc on sait qu'elle est très sollicitée, donc vraiment on est heureux de l'accueillir ici. Elle a donc publié plusieurs ouvrages que vous trouverez facilement puisqu'ils sont largement diffusés, donc certains plus à destination des parents, d'autres plus pour le domaine de l'éducation scolaire. Donc je vous encourage vraiment à lire ces ouvrages, c'est une synthèse, ça constitue vraiment une synthèse actualisée de toutes les recherches dans ce champ. Ils et ils sont sortis en poche, donc vous n'allez pas vous ruiner si vous achetez ces ouvrages. Et donc elle va nous proposer aujourd'hui un résumé, une découverte pour ceux qui n'ont pas encore lu les ouvrages, une découverte de ce champ. Et donc ça s'inscrit dans un cycle de conférences qui s'appelle Feel Good, lier la recherche et le bien-être en société, qui comprend chaque année 4 conférences qui s'inscrivent dans le cadre de la formation ici, le diplôme universitaire de psychologie positive. Et donc à chaque fois, il y a un des intervenants phares de la semaine de formation qui propose une conférence ouverte à tous. Et donc cette première conférence est avec Catherine Guéguen. Et puis vous pouvez regarder le programme des autres conférences qui est accessible sur le site de la Maison des sciences de l'Homme Alpes. Donc on remercie d'ailleurs la Maison des sciences de l'Homme Alpes de nous accueillir ici, les techniciens, les responsables de communication qui nous aident beaucoup à diffuser ces connaissances. Et donc je vais sans tarder laisser la parole à Catherine et je vous souhaite une belle conférence. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Alors un grand merci évidemment à Rebecca, et moi je suis très heureuse d'être ici, et en fait on travaille exactement dans le même sens. On a les mêmes valeurs au fond de nous, et je pense que c'est en train de changer en France, beaucoup de choses. Et grâce à toutes les recherches qui se font dans le monde entier. Alors là, j'ai donné à Rebecca mon PowerPoint qu'elle pourra vous donner, donc vous n'êtes pas du tout obligé de gratter tout le temps. Voilà. Alors, je vais vous parler de l'éducation positive, aussi bien en famille et à l'école. Et en fait, pourquoi j'en suis venue là? Eh bien, en tant que pédiatre, parce que moi je suis pédiatre au XXe siècle, parce que moi je suis âgée, j'ai 70 ans. Eh bien, en tant que pédiatre, nous sommes en permanence sollicité par les parents pour des questions d'éducation, tout le temps. On nous demande tout le temps comment faire vis-à-vis du sommeil, de l'alimentation, mon enfant se roule par terre, mon enfant ne veut pas travailler à l'école. C'est en permanence. Au XXe siècle, eh bien, moi, qu'est-ce que je répondais? Je disais, je pense ceci, je pense cela, mais on était sûr de rien. Donc, c'était vraiment de l'intuitif. Et en fait, quand on commençait à sortir les études scientifiques, mais pour moi, j'ai été éblouie et j'ai une vraie gratitude pour tous ces chercheurs qui nous aident d'abord à mieux comprendre le développement de l'enfant, parce qu'on ne savait pas grand-chose. Sur le cerveau de l'enfant, on savait très peu de choses. Et ensuite, qui nous ont dit qu'est-ce qui pouvait améliorer le développement de l'enfant. Alors, on pouvait avoir des intuitions, mais quand on voit l'état de l'éducation sur la planète, on se pose quand même des questions, vous voyez. Donc, moi, je peux vous dire que j'ai une reconnaissance sans borne pour ces recherches qui, moi, m'ont permis de voir que,
En fait, j'ai dit beaucoup, beaucoup de bêtises au XXe siècle. Mais je ne suis pas du tout culpabilisée parce que je disais aux parents, mais je ne savais pas. Mais maintenant, nous savons d'autres choses. Et donc, voilà ce que les chercheurs proposent pour que votre enfant se développe mieux. Donc, ça, c'est très, très important, cette notion de culpabilité vis-à-vis des parents. Ou même des enseignants et de tous les professionnels de l'enfance. Parce que beaucoup, beaucoup me disent, mais moi, j'ai pas élevé mes enfants comme ça, mes parents n'ont pas fait comme ceci, comme cela et tout. Et puisque ce que les chercheurs disent, c'est beaucoup trop compliqué, ça me met de la pression. Eh bien, vis-à-vis de ça, qu'est-ce qu'il faut se dire? D'abord que c'est ce que proposent les chercheurs, c'est une vraie révolution éducative. Donc ça va se faire progressivement, pas à pas. Ceux qui ont eu la chance d'avoir été élevés vraiment avec bienveillance et empathie, on sait, hein, on n'a pas le pourcentage exact bien entendu, mais c'est une toute petite minorité, hein. C'est à peu près 5 à 10%, hein, c'est les résultats des statistiques de l'UNICEF. Eh bien ceux-là, évidemment, ils sont bienveillants et empathiques de façon naturelle. Mais tous les autres qui ont eu des éducations dures, rigides, en sachant que les parents ou les enseignants qui font ça ne le font pas intentionnellement, ils le font parce qu'ils croient que c'est cette façon-là qui va être bonne pour l'enfant, qui va faire que l'enfant va bien se développer et bien travailler à l'école. Donc, ça va être progressivement que toutes ces personnes-là vont se dire, et sans culpabilité, on ne savait pas. Et ça, c'est sur toute la planète, hein, parce que l'UNICEF nous dit que les enfants reçoivent des humiliations verbales et physiques partout dans le monde entier, tous les jours, et c'est la majorité des enfants. Donc vous voyez qu'il y a énormément, énormément de travail à faire et qu'il va falloir vraiment accompagner, aider tous les professionnels de l'enfance, tous les parents. Parce que c'est une tâche très complexe. Être éducateur, enseignant, parent, c'est des moments de bonheur extraordinaire. Mais c'est aussi une des tâches les plus complexes au monde. Parce qu'il faut énormément, énormément de compréhension et de patience. Donc vous voyez, tout ce que nous apportent ces recherches, c'est une vraie, vraie révolution éducative et un changement dans la compréhension du développement humain. Donc c'est quelque chose de très, très profond que nous apportent toutes ces recherches à l'heure actuelle. Et ces recherches, elles sont très, très récentes, hein. Elle date du XXe siècle, du XXIe siècle. Premier chercheur, ça a été Damasio, hein, que vous connaissez très probablement. Et puis ensuite, là, au XXIe siècle, il y a eu énormément, énormément de recherches. Là, je vous ai mis cette phrase-là parce que je la trouve extraordinaire. Il dit tout, hein, que l'éducation est l'arme la plus puissante que vous pouvez utiliser pour changer le monde. Et quand on s'intéresse au cerveau, on sait pourquoi. Parce que notre cerveau est malléable. Et il est malléable jusqu'à la fin de notre vie. Par contre, quand on s'occupe des enfants, on a la chance d'avoir des enfants qui ont un cerveau très, très, très malléable. Donc, toutes les relations qu'on va avoir avec eux vont changer profondément, profondément le cerveau. Dans un sens positif ou négatif, bien entendu. Donc ça, oui, on peut changer le monde grâce à l'éducation. Et l'éducation, c'est vraiment la base de tout changement d'une société. Et puis, moi j'admire beaucoup Malala, parce que c'est toute jeune qu'elle a eu le prix Nobel de la paix, à 17 ans. Et elle a dit une phrase importante aussi, qu'avec des armes, évidemment qu'on peut tuer les terroristes, mais avec l'éducation, on peut tuer l'idéologie du terrorisme. Donc pour moi, l'éducation, c'est la base de tout. Alors qu'est-ce que c'est que les neurosciences affectives et sociales ? En France, beaucoup connaissent les neurosciences cognitives qui, elles, sont anciennes. Elles datent de 1970, donc vous voyez que c'est vieux, les neurosciences cognitives. Les neurosciences cognitives,
elle s'intéresse à tout ce qui est intellectuel, comment on apprend à lire, à écrire et à compter. Les neurosciences affectives et sociales, elles s'intéressent aux mécanismes cérébraux des émotions et des relations. Et ce qu'il faut bien que vous sachiez, parce qu'il y a beaucoup de jeunes dans la salle, nous, médecins, au XXe siècle, on ne savait pas ça du tout. On savait que le cerveau était dévolu aux compétences intellectuelles, motrices et sensorielles. Mais on ne savait pas du tout, qu'une très grande partie du cerveau était dévolue aux relations et aux émotions. Donc, ça change tout pour les professionnels de l'enfance. Parce que toute la base de ce qu'apprennent les éducateurs ou les enseignants était basée sur ces trois compétences-là, intellectuelles, motrices et sensorielles. Mais on occultait totalement les émotions et les relations. Donc vous voyez que ces recherches changent le visage qu'on a de l'éducation. Alors, comme les neurosciences affectives et sociales s'intéressent aux relations, les chercheurs se sont posé des questions à la fois très simples et très complexes. Qu'est-ce qui pourrait idéalement modifier de façon positive le cerveau ? Ça veut dire, quelle est la relation idéale ? Alors, je vais vous proposer de réfléchir pour vous, là, pendant une minute. Qu'est-ce que vous souhaitez idéalement dans vos relations ? Je vous laisse une minute. Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui voudraient s'exprimer en public et dire qu'est-ce que vous souhaitez idéalement dans vos relations ? Qu'est-ce qui ose se lancer ? Oui ? Donc de l'authenticité. Ok, merci. Oui, bonjour. Qu'elle soit agréable ? Oui, merci. Oui. De se sentir en sécurité. Merci. Oui. Qu'elle soit bienveillante. Après, il faut savoir qu'est-ce qu'on met sous le terme bienveillance. Oui. Est-ce que vous voulez... sans jugement. Accueillante, sans jugement. Oui. Être écouté et savoir écouter. Oui, merci. Équilibré, sans rapport de force, c'est ça? Oui, merci. Oui. D'accord. Qu'elle contribue au bien-être et à l'épanouissement de chacun. C'est tout? Donc vous voyez, en quelques secondes, alors ça c'est une question que je posais aux parents que je recevais. J'aimais bien leur poser, les recevoir individuellement, hein, parce que quand on reçoit le couple, vous qui êtes psychologue, beaucoup hein, là sont psychologues, hein, quand on reçoit un couple, c'est intéressant aussi, mais c'est tout à fait autre chose. Mais quand on reçoit soit la mère, soit le père, ils disent aussi autre chose. Et généralement, ça va beaucoup plus loin, c'est beaucoup plus profond quand on est en duo. Et je leur demandais toujours, qu'est-ce que vous souhaitez idéalement dans vos relations ? Et en fait, on se rend compte que tous les êtres humains disent la même chose. On sait tous ce qu'on souhaiterait dans nos relations. On le sait. Par contre, ça peut paraître étonnant de savoir ça, c'est avec les enfants que ça se passe le plus mal. Ouais. Ça peut paraître très étonnant, mais c'est une réalité. Eh bien, les chercheurs, ils ont trouvé quoi ? Eh bien, que la relation idéale, elle est empathique,
soutenante, c'est-à-dire toujours encourageante, jamais dévalorisante, hein. Toujours soutenir et aimante. Eh bien, c'est pas quelque chose d'extraordinaire, c'est ça que nous souhaitons, nous, dans toutes nos relations. Eh bien, ils ont trouvé que c'est ça qui va développer de façon optimale le cerveau de l'enfant. Donc ça confirme une intuition que nous avions tous. Parce qu'il y en a qui disent, oh ben oui, on le sait depuis toujours. Ah, intuitivement, on pouvait savoir ça. Mais à l'heure actuelle, on sait exactement ce que ça fait au niveau du cerveau. Et que si on n'a pas ça, ce que ça produit comme dégâts. Donc c'est très très important. Et puis, si on le savait, alors pourquoi on n'aidait pas les éducateurs, les enseignants et les parents à être dans cette position-là? On peut se poser aussi la question. Alors l'empathie, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas si, probablement que vous en parlez beaucoup en psychologie positive. Il y a des centaines et des centaines de définitions de l'empathie. Moi, j'ai pris celle-là, je vais vous dire pourquoi. Alors, Jean de Cetti, c'est un Français, un neurobiologiste, neuroscientifique, qui vit à Chicago depuis très très longtemps. Et lui, sa définition de l'empathie, eh bien, il y a trois facettes. Il y a l'empathie affective, qui est sentir les émotions d'autrui, les partager. Et la deuxième partie de la phrase, sans être dans la confusion entre soi et autrui. Très important. Alors ça, c'est facile, entre guillemets, quand on est des professionnels. Mais quand on est parent, c'est extrêmement difficile. Hein, quand on est parent, généralement, on porte la souffrance de nos enfants. On porte la joie de nos enfants, mais aussi la souffrance de nos enfants. Mais quand on est professionnel, et vous qui êtes des professionnels, eh bien, quand vous recevrez des parents en difficulté ou des enfants en difficulté, eh bien, la première chose, c'est de se dire que c'est leur détresse à eux et que ce n'est pas la vôtre. Ça, c'est extrêmement, extrêmement important. Et nous, médecins, personne ne nous l'a jamais dit, hein. Mais je peux vous dire que si on ne fait pas ça, on ne peut pas être médecin, puisqu'on voit des gens qui souffrent en permanence, hein. Donc ça, c'est extrêmement important. L'empathie cognitive, c'est comprendre pourquoi l'autre ressent telle ou telle chose. Pourquoi il est serein, joyeux, pourquoi il est en détresse, pourquoi il est en colère, pourquoi il est triste, pourquoi il est anxieux. Donc comprendre ses émotions. Et la troisième facette, c'est la sollicitude empathique qui nous incite à prendre soin du bien-être d'autrui. Et c'est pour cette troisième facette que je prends la définition de Jean de Cetti. Parce que pour moi, sentir la détresse d'un enfant, comprendre pourquoi il est en détresse, mais si on ne veut pas lui apporter du bien-être, à quoi ça servirait? Et il y en a beaucoup qui limitent l'empathie à ces deux premières facettes. Et pour moi, ça ne sert à rien. Et donc lui, il dit que quand il y a ces trois facettes, c'est ça qui va permettre au cerveau de maturer. Est-ce que c'est clair pour vous, l'empathie? Et donc, très important à bien saisir, l'empathie, c'est le travail sur les émotions. Et donc, ça nous dit bien que les émotions sont absolument fondamentales. Alors, je pense que vous allez beaucoup, beaucoup travailler sur les émotions. Encore un petit travail de une minute. Qu'est-ce qu'une émotion? Hein, c'est des petites questions. Est-ce qu'il faut les exprimer? Et à quoi elles servent les émotions? Quel est leur rôle? D'accord? Vous réfléchissez pendant une minute. Qui veut s'exprimer sur
soit ce qu'est une émotion, sur soit est-ce qu'il faut les exprimer, quel est leur rôle, qui a envie de s'exprimer et qui ose se lancer. Oui. Oui. Ok. Donc pour vous, si j'ai bien entendu, les émotions, ça vous sert à vous connecter avec vous-même, à savoir si vous êtes aligné avec vos valeurs, si vous êtes dans le juste pour vous, et puis vous pensez aussi qu'il faut savoir les exprimer. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre veut s'exprimer ? Oui. Merci. Donc, vous faites une distinction entre émotion et sentiment. Alors ça, j'en ai pas parlé, et puis vous verrez. Là-dessus, il y a des bouquins de 1000 pages. Là aussi, les définitions sont différentes selon chacun. Moi, je vais me contenter à dire que c'est toutes les deux termes du domaine du ressenti. Pour moi, mais ça dépend des chercheurs, hein, le sentiment, c'est l'arrière-fond. Par exemple, en ce moment, est-ce que vous avez plutôt une période dans votre vie professionnelle ou privée plutôt agréable, sereine, où vous avez de l'enthousiasme, où vous êtes joyeux ? Bon. Et puis, sur cet arrière-fond, il y a les émotions qui varient en permanence, tout le temps, tout le temps, tout le temps, à ce qui se passe. Ce sont des réactions à ce qui se passe là, tout le temps. Quand vous m'entendez, vous avez des dizaines et dizaines d'émotions tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ok, ça vous va? Mais il y a d'autres définitions. Hein. Moi, je prends celle-là. Mais bon. Est-ce que quelqu'un d'autre veut s'exprimer sur... Oui? Donc, les émotions, ça nous permet de comprendre nos besoins, hein, et de les exprimer. Hein. Est-ce que quelqu'un d'autre veut s'exprimer ? Hein ? Oui ? Oui. Hein ? Oui, donc vous parlez du corps. Hein, et, oui. Que les émotions, elles s'expriment. Hein, elles s'expriment par le corps. Les émotions sont des réactions biologiques. C'est-à-dire que on ne contrôle pas l'apparition de nos émotions. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de jugement moral à avoir. Elles ne sont ni bien ni mal. Elles sont juste là pour nous signifier qu'il se passe quelque chose en nous. C'est comme une lumière qui s'allume. Et c'est un message pour nous dire « Attention, fais attention à toi, il se passe quelque chose. » Et le corps va s'exprimer. Et dans ce cas-là, après, il y a la pensée qui vient et qui nous aide à comprendre pourquoi on a telle ou telle émotion et quels sont les besoins satisfaits ou non satisfaits derrière ces émotions. Mais c'est une réaction biologique. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de jugement moral à avoir dessus. Par contre, il va falloir savoir les exprimer, ça c'est autre chose, hein, puisqu'on n'a pas été habitué à ça. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup de culpabilité qui a été mise chez beaucoup, beaucoup d'adultes. Hein.
surtout chez les hommes, hein, parce que dès tout petit, on a dit aux garçons, tu dois être fort, c'est pas bien de pleurer, c'est pas bien d'être en colère et tout. Donc, moi, mon expérience avec les parents, c'est que beaucoup, beaucoup d'hommes avaient encore plus de travail. Nous, les femmes, on avait du travail aussi à faire pour savoir les exprimer sans culpabilité. Mais les hommes ont encore beaucoup plus de travail parce qu'on leur a dit qu'il fallait qu'ils soient forts et que c'était une faiblesse d'exprimer ses émotions. Donc, il y a tout un travail à faire dans l'expression des émotions. Bien entendu qu'il faut savoir les réguler, hein, aussi bien pour soi, pour ne pas se laisser envahir par les émotions désagréables. Hein. Si on est trop anxieux, trop dépressif, c'est très négatif évidemment pour nous. Et puis vis-à-vis des autres, hein, vous l'avez dit très bien tout à l'heure, parce que ça peut être très délétère pour les autres aussi. Donc il y a tout un travail à faire, hein, sur ces émotions-là. Alors, cette nouvelle façon d'être avec les enfants, elle est très critiquée. Hein, on nous dit, vous dites n'importe quoi, hein, vous allez faire des enfants rois, c'est une éducation laxiste. Hein. Ça, c'est les gens qui ne savent pas ce que c'est que la bienveillance et la parentalité positive. C'est par ignorance qu'ils disent ça. Parce que, au contraire, être empathique et bienveillant, hein, comprendre d'abord ses propres émotions, parce que ça c'est d'abord un travail de l'adulte à être auto-empathique et à comprendre les émotions de l'autre, c'est tout un travail de connaissance de soi, de construction de soi. Ça va tout modifier dans la façon d'être. C'est-à-dire que quand on a fait ce travail-là, on est beaucoup plus aligné sur ses propres valeurs, on sait beaucoup mieux faire des choix, donner un sens à sa vie, savoir entreprendre et avoir un sens éthique et moral. Donc ça donne des gens beaucoup, beaucoup plus confiants en eux-mêmes et conscients de leurs propres valeurs. Donc ça veut dire que ils ne sont pas du tout laxistes. Ça n'a rien à voir avec le laxisme. C'est-à-dire qu'un adulte bienveillant et empathique, soutenant, il va savoir transmettre des valeurs, poser un cadre et savoir dire non, bien entendu. On ne laisse pas l'enfant faire n'importe quoi, parce que ça, ce n'est pas de l'éducation. En fait, les enfants rois, hein, c'est des parents qui ont tout lâché parce que l'éducation est très difficile. Quand l'enfant a un comportement inadéquat, moi je ne suis pas du tout pour leur faire des grands discours de morale, parce que je peux vous assurer qu'ils n'écoutent pas du tout ça. Ça les embête, hein. Moi j'ai reçu aussi beaucoup d'ados, hein, et les ados me disaient, mais mes parents, mes enseignants, ils me font chier, excusez-moi, hein, parce qu'ils me parlaient comme ça. Hein. Dans ce cas-là, ils ferment les écoutilles, hein, ils n'écoutent absolument pas. Il faut juste dire, non, on ne dit pas ça, non, on ne fait pas ça. Par contre, toujours encourager, je te fais confiance, tu peux progresser, tu peux ne plus faire ça ou ne plus dire ça. Et après, si on veut et si l'enfant a envie d'écouter, on peut ouvrir le dialogue et l'échange en disant, ben, qu'est-ce que tu penses de ce que je viens de te dire ? Et à l'adolescence aussi, mais pas de discours de morale. Là, la dernière phrase, je te fais confiance, c'est très important. Pourquoi ? Parce qu'on sait que quand on dit à quelqu'un, tu peux progresser, hein, c'est parce que notre cerveau est malléable, eh bien on sait qu'on progresse. Et on peut progresser aussi bien intellectuellement qu'affectivement. Dès qu'on met une étiquette sur quelqu'un, on fige son développement. Donc ça, vis-à-vis des parents, c'est extrêmement, extrêmement important, et des enseignants ou des personnels de crèche, de leur dire, de ne plus dire « tu es méchant, c'est pas bien ce que tu fais, tu es nul, tu es égoïste, tu es orgueilleux ». Ça, vraiment, c'est à bannir totalement.
Et je peux vous assurer que c'est des phrases que les enfants entendent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Moi, dans mes consultations, les parents se gênaient pas, même devant moi, pour me dire « Regardez comme il est méchant, comme il est nul, comme il est incapable. » Donc, c'est des choses qu'ils entendent tout le temps, tout le temps, tout le temps, et qui sont vraiment de ce qu'on appelle la maltraitance émotionnelle, de la dévalorisation. Dès qu'on arrive à exprimer nos émotions, ça nous fait du bien. Ça apaise notre amygdale cérébrale qui, dans notre cerveau, va déclencher les molécules de stress, le cortisol et l'adrénaline. Et également, ça va, le fait de réévaluer la situation, de se dire, par exemple, vous vous êtes engueulé avec votre conjoint ce matin ou avec votre collègue, eh bien, de prendre du recul, de réévaluer la situation, de se dire, c'est peut-être pas si grave que ça, je vais peut-être trouver une façon de résoudre ce petit différend. Eh bien, rien que ça, tous nos circuits neuronaux vont se remettre de façon positive. Donc, très, très important de se dire, dès qu'on exprime nos émotions, de dire oui, là je suis vraiment inquiète, ou je suis anxieuse, ou je suis vraiment en colère, mais comment je vais pouvoir faire pour résoudre cette difficulté? Tout de suite, notre cerveau change. Damasio, lui, ça a été vraiment une révolution hein, dans ce qu'il nous a dit. Hein, ça a été au niveau mondial un impact très très important parce que c'était le premier à découvrir le circuit cérébral des émotions. Et il s'est rendu compte que quand on n'avait pas d'émotions, parce qu'il a travaillé avec des malades qui avaient perdu leur faculté de ressentir, ils n'avaient plus du tout d'émotions, eh bien, ils menaient une vie totalement chaotique. Ils n'avaient plus de vie affective, bien entendu, mais ils n'avaient plus de sens éthique et moral. Ils pouvaient tuer ou voler, bien entendu, parce que ça leur était égal. Ils ne savaient plus faire de choix et ils ne travaillaient plus parce que le travail ne les intéressait plus du tout. Là, j'aime bien mettre les photos des chercheurs parce que c'est des vrais gens hein, qui cherchent hein, et qui se sont engagés et impliqués dans leur travail. Là, vous avez Martin Teicher à Harvard qui a travaillé sur qu'est-ce que font les humiliations verbales et physiques sur le cerveau de l'enfant et de l'adulte aussi. Bruce McEwen, lui, il est décédé cette année. C'était le grand spécialiste de l'effet du stress sur le cerveau. Joanne Luby, elle a travaillé sur qu'est-ce que fait le soutien et l'encouragement sur le cerveau, et particulièrement sur l'hippocampe. L'hippocampe, c'est une structure cérébrale qui nous permet de mémoriser et d'apprendre. Et elle montre que quand on soutient et encourage les enfants, l'hippocampe peut doubler de volume, et donc on mémorise mieux, on apprend mieux. Michael Minet, ça a été un des premiers à travailler sur l'épigénétique, a montré que le maternage, le stress, peut modifier l'expression de certains gènes. Anne-Laura Van Armelen et Ryan Koch, toutes les deux, elles mériteraient, pour moi, hein, on ne va pas m'écouter là-dessus, elles mériteraient le prix Nobel. Hein, elles ont dit des choses absolument exceptionnelles. Ryan Koch, elle a fait une étude absolument remarquable sur 191 familles. Et elle a étudié le père et la mère, ce qui est très rare. Hein, beaucoup, beaucoup d'études, c'est que la mère. Certaines études, c'est que le père, mais c'est surtout d'abord des études sur la mère. Et elle a étudié les enfants de 6 semaines à 8 ans. Donc, vous voyez, c'est une très, très longue étude. Eh bien, elle a montré que quand les deux parents sont empathiques, eh bien, à 8 ans, toute la substance grise du cerveau va se développer de façon optimale. Et il y a un épaississement du cortex préfrontal. Et le cortex préfrontal, hein, je pense que vous le savez, c'est ce qui nous différencie des grands singes. Les grands singes ont un cortex préfrontal aussi, mais nous, on l'a beaucoup, beaucoup plus développé que nous. Donc, vous voyez, là, c'est vraiment la preuve que l'empathie est fondamentale, fondamentale pour le développement du cerveau de l'enfant. Alors après, comment être empathique, hein, ça va être toute la question. Et comment développer son empathie? Anne-Laura Van Armelen, pareil, je trouve que son étude est extraordinaire. Elle a montré ce que fait la maltraitance émotionnelle. Alors moi, la maltraitance émotionnelle, je ne savais pas que c'était une définition des chercheurs du monde entier, hein,
Qu'est-ce que c'est? C'est toute parole et tout comportement qui va dévaloriser l'enfant, qui va le punir, qui va l'humilier. Toutes les punitions, toutes les exclusions et tout ce qui ne répond pas à ses besoins fondamentaux. Eh bien, elle a montré que la maltraitance émotionnelle va modifier la structure cérébrale qu'on a de plus précieux, qui fait qu'on est des vrais êtres humains. Eh bien, c'est ce qu'on appelle le cortex orbitofrontal, c'est-à-dire qu'il est derrière nos orbites et notre front. C'est une toute petite partie du cortex préfrontal et il nous sert à quatre capacités très importantes. D'abord, il nous permet d'être empathique. Sans empathie, c'est-à-dire sans sentir et comprendre les émotions de l'autre, on ne peut pas aimer. Donc notre faculté d'aimer, vous voyez, elle est en partie ici. Ensuite, ce cortex orbitofrontal nous permet de réguler nos émotions, d'avoir un sens éthique et moral, c'est fondamental évidemment, et de faire des choix. Donc vous voyez que ces quatre capacités sont absolument, absolument fondamentales. Eh bien, elle montre que quand on a subi beaucoup, beaucoup de maltraitance émotionnelle, eh bien, ça va abîmer ce cortex orbitofrontal. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir être empathique, on ne va pas savoir réguler nos émotions, on ne va pas savoir faire des choix et on ne va pas savoir avoir un sens éthique et moral. Et je peux vous assurer que dans ma vie de pédiatre, je me suis occupée beaucoup, beaucoup des questions de maltraitance. J'ai vu beaucoup, beaucoup de parents qui ne savaient pas faire autrement que d'humilier leurs enfants parce que eux-mêmes avaient été humiliés dans leur jeunesse. Eh bien, ils voulaient être empathiques, mais ils ne savaient pas comment faire. Ils voulaient réguler leurs émotions, mais ils explosaient tout le temps. Ils ne savaient pas faire des choix. Tout le temps, ils me disaient, mais je ne sais pas choisir. Et ils n'arrivaient pas à avoir un sens éthique et moral. Donc, au XXe siècle, je le constatais, ça, en me disant, mais punaise, qu'est-ce qui se passe, hein? Et là, au XXIe siècle, c'est confirmé par l'étude de Anne-Laura Van Armelen. Donc, vous voyez comme c'est extrêmement important. Sarah Whittle, elle, c'est la grande spécialiste du cerveau des adolescents. Et Malin Spendotter, elle nous montre ce que fait le toucher respectueux sur le développement du cerveau de l'enfant. Alan Shore, c'est un des fondateurs des neurosciences affectives et sociales. Il est en même temps pédiatre, neurologue, psychiatre, biologiste et chimiste. Il me reste 5 minutes, 10 minutes. Et en fait, le fait qu'il ait une formation pluridisciplinaire, ça lui a permis d'avoir du surplomb et pas d'idéologie sur le développement de l'être humain. Et il nous montre que justement, l'empathie, la sécurité affective, le soutien va développer ce fameux cortex orbitofrontal qui est si précieux pour nous. Donc dans le cerveau, vous avez 100 milliards de neurones. Les neurones sont interconnectés entre eux et avec entre les synapses des centaines de molécules cérébrales. C'est la chose la plus complexe de l'univers, le cerveau. Et les chercheurs sont au début de la compréhension du cerveau. Il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à comprendre. À l'heure actuelle, ils nous disent tous que... Moi, je ne suis pas du tout neurologue. Moi, je ne suis que pédiatre. Mais il y a des choses quand même fondamentales à comprendre quand même sur le cerveau. Le plus important, ce sont les circuits neuronaux. Et celui qui nous importe, c'est celui qui va du cortex préfrontal, qui nous permet donc justement de réguler nos émotions, au cerveau qui est plus émotionnel et plus archaïque. Mais ce sont les circuits neuronaux qui sont les plus importants. Cette conception des trois cerveaux, elle n'est plus utilisée à l'heure actuelle par les chercheurs. Mais quand on s'occupe de l'enfance, c'est très important de comprendre comment ils fonctionnaient, ces trois cerveaux. Et en fait, le cerveau supérieur, lui, il va être surtout actif plus tard que
le cerveau émotionnel est archaïque. Et le cerveau émotionnel est archaïque va être dominant chez l'enfant petit jusqu'à 5-6 ans. C'est-à-dire que le cerveau archaïque, il s'active dès qu'on est en grand danger. Quand on n'est pas en sécurité, soit on va attaquer, soit on va fuir, soit on va être en état de sidération. Et je peux vous assurer que cette nouvelle compréhension de l'enfant petit, qui a un cerveau très immature, m'a fait totalement changer ma vision de l'enfant. C'est-à-dire que au XXe siècle, on nous disait que les enfants, ils étaient des tyrans, et en fait, il fallait les dresser. Hein. C'était ça qu'on nous disait. On ne nous le disait pas avec ce mot-là de dressage, mais en fait, on faisait du dressage. Là, cette nouvelle compréhension du développement de l'enfant, qui nous dit que l'enfant a un cerveau très immature, et que tout petit, il ne sait pas faire face à ses émotions. Parce que son cortex, justement, préfrontal, qui nous permet de réguler nos émotions, n'est pas encore du tout mature. Donc, le petit ne fait pas exprès de se rouler par terre, de taper et de mordre, c'est qu'il ne peut pas faire autrement. C'est-à-dire que dès qu'il se sent, ses besoins profonds ne sont pas satisfaits, besoin d'attention, besoin d'affection, besoin de jouer, besoin de calme, eh bien, son cerveau, il disjoncte. Et dans ce cas-là, il tape, il mord, il crie, il se roule par terre, il jette ses jouets, il déchire. Donc, ce n'est pas parce qu'il est méchant. Donc, vous voyez, ça nous donne une autre vision de l'être humain. Donc, ça, c'est extrêmement, extrêmement important. Et ce que nous dit Alan Shaw, c'est que oui, l'âge de raison, a priori, c'était 7 ans, mais cet âge de raison ne va se faire que si l'entourage apporte sécurité affective, bienveillance et soutien. Donc vous voyez, là, on a des vraies pistes pour savoir comment il faudrait faire. Là, je passe. L'amygdale cérébrale, tout à l'heure, je vous en ai parlé. C'est elle qui va déclencher la sécrétion des molécules de stress. Malheureusement, je vous ai dit que le cerveau de l'enfant était immature. Malheureusement, l'amygdale est mature dès la naissance. Donc, dès la naissance, les enfants peuvent avoir extrêmement peur. Et qu'ils ne savent pas du tout faire face à leur peur, puisque leur cortex préfrontal et orbitofrontal n'est pas du tout mature. Donc, la plupart des adultes disent à l'enfant « Mais arrête d'avoir peur !» Mais ils ne peuvent pas faire face aux peurs. Donc, il faut d'abord comprendre que l'enfant a peur et qu'il ne le fait pas exprès. Très important aussi que les molécules de stress qui sont le cortisol et l'adrénaline, le cortisol va bloquer la sécrétion d'ocytocine. Et ça, c'est très important. On a tous, vous savez qu'on a tous au niveau, tout ce qu'on vit a une traduction biologique. Hein, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Il faut accepter ça. Eh bien, l'empathie, la molécule de l'empathie, c'est l'ocytocine. On a tous de l'ocytocine à la naissance. Par contre, comme la grande majorité des enfants reçoivent des humiliations verbales et physiques dès la première année de vie, et c'est la première année de vie où ils souffrent le plus, les enfants, où il y a le plus de maltraitance. Ça peut vous paraître étonnant, mais c'est la réalité. Eh bien, cette ocytocine va sommeiller chez l'être humain à cause du cortisol. Et donc, il va falloir la développer, cette ocytocine. Ensuite, l'amygdale va stocker tous les souvenirs de peur, mais de façon inconsciente. Donc, c'est pour ça que c'est extrêmement, extrêmement important de faire en sorte que les adultes soient accompagnés avec des enfants petits. Parce que pour les adultes, un enfant petit, c'est difficile à cause de ces tempêtes émotionnelles, hein. Un enfant petit a des grandes tempêtes émotionnelles puisqu'il ne sait pas faire face à ses émotions. Il pleure dès que ça ne va pas. Il peut être très en colère en se roulant par terre. Il peut avoir très peur, comme je vous l'ai dit. Et ces émotions désagréables, je pense que vous en avez conscience, c'est une souffrance. Et quand on fait prendre conscience aux parents qu'en fait, quand l'enfant se roule par terre, qu'il fait une colère, c'est une souffrance pour lui. Quand on est en colère, on souffre. Eh bien, au lieu de se mettre en colère, parce que jusqu'à présent, les adultes se mettaient en colère, eh bien, il faudrait avoir de la compassion.
Donc vous voyez qu'il faut vraiment faire comprendre le développement de l'enfant, change notre regard vis-à-vis du tout petit. Donc ça, je vous l'ai dit, ça aussi. J'ai été très éblouie par le fait que tous les chercheurs du monde entier disent qu'il faut la même chose lors d'une tempête émotionnelle de l'enfant. Si on est empathique, si ensuite on apaise, si ensuite on aide l'enfant à exprimer ses émotions, eh bien, le cerveau de l'enfant va se développer au maximum de ses possibilités. Donc, c'est totalement contre-intuitif. Hein, un enfant qui se roule par terre ou qui tape ou qui mord, jusqu'à présent, on lui disait « t'es méchant » ou « il avait une gifle hein. ». Eh bien là, il va falloir faire le contraire. D'abord, accepter ses propres émotions, parce qu'on peut être agacé ou inquiet. Hein. Et puis ensuite, il va falloir apaiser l'enfant. C'est-à-dire que soi-même, être calme. Et ensuite, aider l'enfant à exprimer ses émotions. Donc vous voyez, il y a tout un travail d'accompagnement des adultes. Si on n'apaise pas l'enfant, il y a du cortisol. Parce que c'est surtout le cortisol qui est toxique pour le cerveau. L'adrénaline fait beaucoup d'autres choses. Hein, ça bouche les vaisseaux, hein, ça donne de l'athérosclérose, ça donne plein de choses. Mais pour le cerveau, c'est le cortisol. Ça, je vous l'ai dit. Là, c'est une étude de Singapour qui nous dit que, vous voyez, dès l'âge de 6 mois, il y a des études qui montrent que quand la mère est empathique, ça développe l'hippocampe qui permet de mémoriser et d'apprendre. Et toutes les connexions entre les structures cérébrales impliquées dans le fonctionnement socio-émotionnel et la régulation des émotions dès l'âge de 6 mois. Ça, je vous l'ai dit. Bon, ça, je vous laisserai le diaporama. Dès qu'on materne, materner, c'est prendre soin, réconforter, consoler, câliner. Ce n'est pas fait que pour les mères. Les hommes sont aussi capables de materner que les femmes. Et ce n'est pas fait que pour les bébés. C'est-à-dire qu'à n'importe quel âge, on peut avoir besoin qu'on prenne soin de nous, qu'on réconforte, qu'on console, qu'on câline. Et en fait, tous ces adultes qui ont été maltraités, qui n'arrivent pas à être empathiques, pour développer leur ocytocine, faut les materner. Donc un de nos rôles à nous, c'est de materner tous ces parents qui sont maltraitants. Dès qu'on materne, ça fait sécréter l'ocytocine, donc vous voyez, ça développe l'empathie. Parce que l'empathie, elle nous est donnée par les autres. Et ça nous montre l'interdépendance. Je trouve ça extraordinaire. Hein. C'est aussi l'extraordinaire de la vie et le tragique de la vie humaine. Hein. C'est que si on n'a personne autour de nous qui nous donne de l'ocytocine, on ne peut pas être empathique biologiquement. Hein. Donc, évidemment que ça nous oblige à être totalement solidaires les uns les autres et s'apporter le plus possible d'empathie. Ça augmente le BDNF. Le BDNF, c'est un facteur de croissance des neurones. À l'heure actuelle, le BDNF est impliqué dans la plupart des grandes maladies psychiatriques. Ça modifie l'expression d'un gène qui va renforcer l'aptitude à faire face au stress et améliorer la mémoire et l'apprentissage en densifiant les connexions de l'hippocampe. Voilà. Ça, c'est l'étude de Joan Luby. Elle a fait une étude donc sur 127 enfants de 3 ans jusqu'à l'adolescence. Donc vous voyez, c'est une très grande étude aussi. Et elle nous montre que ben, ça va multiplier par 2 le volume de l'hippocampe. La sécrétion d'ocytocine, de dopamine. La dopamine, c'est une molécule qui nous donne de la motivation, du plaisir à vivre, de la créativité. Eh bien, elle est bloquée par la compétition, la comparaison, le stress, mais elle est stimulée par la collaboration, la coopération et le plaisir. Alors, comment on l'applique concrètement par le développement de l'empathie et des compétences sociales et émotionnelles? Je me dépêche un peu. Ça, je vous en ai parlé. Chez les enseignants, c'est très intéressant parce que quand on développe chez les enseignants les compétences sociales et émotionnelles, ça prévient le burn-out. Et les enseignants, ils ont 30% de burn-out, ce qui est quand même très important. Là, il y a une étude très intéressante américaine qui nous montre que
sur ce 270 000 enfants, vous voyez, les Américains, ils ont beaucoup d'argent pour faire leurs études. Et les enfants sont suivis de la maternelle jusque la terminale. Eh bien, quand ils ont développé leurs compétences sociales et émotionnelles, eh bien, on voit que la qualité des relations s'améliore, les problèmes de comportement diminuent et les résultats scolaires s'améliorent. Et pourquoi c'est en même temps affectif et intellectuel? Parce que l'empathie agit sur le cerveau de façon globale. L'empathie va développer le cerveau intellectuel et affectif. Et merci à Karen Biermann qui a travaillé sur des enfants, vous voyez, issus de quartiers très pauvres. Eh bien, il n'y a pas de fatalité. Ça fait la même chose sur les enfants qui viennent de quartiers extrêmement pauvres. Ça aussi, c'est très intéressant parce que tous les adultes qui travaillent en groupe, qu'on travaille en crèche ou qu'on travaille dans une classe, quand je dis ça aux enseignants, ils me disent « Mais Madame Guéguin, on ne peut pas s'occuper des élèves individuellement. C'est une perte de temps. » Je leur dis « Non, c'est le contraire. » Pourquoi? Quand dans une classe, par exemple, je leur dis « Vous avez un adolescent qui vous insulte, hein, parce que ça arrive régulièrement, ou qui pète les plombs, qui crie, qui est en colère, ou qui pleure. » Eh bien, on sait par les études que quand le prof a une attitude empathique, va vers lui, comprend ses émotions, l'apaise, eh bien, je peux vous assurer que tous les autres élèves en profitent. Ils voient comment on fait pour s'occuper de quelqu'un en détresse. Alors que si le prof punit, exclut, eh bien, les élèves apprennent ça. Et après, on se dit, ah, mais dans la cour de récréation, eh bien, les élèves ont des rapports de force entre eux. Mais oui, nous sommes des très puissants modèles. C'est-à-dire que si nous, on punit, on a des rapports de force, les enfants apprennent et ils font exactement la même chose. Eh bien, vous voyez, il nous dit que ça fait ça sur les enfants. Donc là aussi, c'est très intéressant, hein, parce qu'on nous dit on ne peut rien faire avec ces enfants qui sont de milieux très défavorisés. Eh bien, si, on nous montre que quand on développe les compétences socio-émotionnelles dès l'école maternelle, même des enfants issus de quartiers très pauvres, eh bien, ils deviennent plus coopérants, plus empathiques, et ça agit aussi sur leur cerveau intellectuel. La communication non violente, je passe très vite, là aussi, mais je vous laisse tout ça. Ça, c'est... Oui, je vous ai dit... Hop. Là, j'ai été terrorisée quand j'ai sorti cet article-là, qui montre que quand il y a beaucoup, beaucoup de cortisol, c'est-à-dire des enfants qui reçoivent des humiliations tout le temps, tout le temps, tout le temps, eh bien, ça donne vraiment des altérations de certaines zones cérébrales chez l'enfant. Et vous voyez un neurone florissant avec beaucoup de dendrites, et là, il est sous stress chronique, il perd ses dendrites. Donc la maltraitance émotionnelle, voilà. Là, la maltraitance verbale et physique chez l'enfant, ça va diminuer le volume de l'hippocampe qui nous permet de mémoriser et d'apprendre. Là, on sait que le stress peut endommager des structures cérébrales et circuits participants à la vision quand les enfants assistent à des violences conjugales. Ça, c'est extrêmement intéressant que les paroles blessantes, humiliantes et méprisantes vont altérer le fonctionnement des circuits neuraux et de zones participant à la compréhension du langage. J'ai eu beaucoup, beaucoup de parents, d'enseignants qui me disent « Mais mon enfant, quand je lui parle, il ne comprend rien. » Mais généralement, il commence par dire « T'es infernal, t'es méchant, c'est pas bien ce que tu fais. » Et donc, hop, eh bien, l'enfant, il ne peut même pas comprendre, vous voyez, au niveau de son cerveau. Là, la méditation en pleine conscience, je pense que tu leur en parleras, hein, vous voyez. Eh bien, je vous remercie. Ça doit être à peu près l'heure. Hein. Je vous remercie de votre attention. Je vous ai fait un survol très, très rapide, très condensé. Et donc, si vous avez des questions... Hein. Oui, merci beaucoup Catherine pour cette brillante conférence qui nous donne envie d'en savoir plus. Et du coup, les étudiants du DU ont beaucoup de chance de vous avoir cet après-midi. On peut prendre quelques instants pour un temps d'échange, de questions.
s'il y a des questions que vous avez par rapport à la présentation qui vient d'être faite. Je vous ai sidéré. Alors ça, j'en parlerai cet après-midi. Oui. De répéter la question. Tu peux lui donner le micro, il va redire. Je peux pas le donner, non, justement, à cause des... C'est pour ça, oui. Ouais. Non, mais en gros, ma question, c'était de savoir s'il y avait des études qui avaient été menées auprès des, contrairement à ce qui était mis dans la présentation, sur des parents qui avaient un défaut de prise en charge de leur enfant, mais sans forcément que ce soit de la malveillance ou de l'humiliation, mais juste une absence de soins auprès des enfants. Oui. Alors, merci de la question. Oui, je vais vous répondre cet après-midi. La plus grande des maltraitances, c'est la négligence. Donc, la négligence a des effets extrêmement délétères sur le cerveau. Et là, je ne vous l'ai pas dit non plus, mais il y a des nouvelles études qui sortent là sur la pauvreté. La pauvreté abîme réellement le cerveau. Donc oui, la négligence est extrêmement délétère. Ouais. Ouais. Et une autre question là-bas. J'arrive. Donc, je me demandais à quel point les lésions ou les retards de développement étaient réversibles, notamment chez des enfants qui ont été bien abîmés, on va dire, par tout ce que vous avez décrit. Alors là aussi, j'en parlerai cet après-midi. La notion de résilience est très, très importante. Il y a énormément de nouvelles études sur la résilience. Oui, on peut résilier la plupart du temps. Et quels sont les facteurs qui permettent le plus de résilier? C'est toujours la même chose. Ce sont nos relations quand elles sont empathiques, chaleureuses et soutenantes. C'est toujours, toujours la même chose. Alors, évidemment que moi, ça, toutes ces connaissances-là m'ont amené à dire des choses très basiques et même un peu bébêtes. Hein. Je disais à mes patients, éloignez-vous des personnes toxiques. Essayez de vous faire un cercle de gens autour de vous, empathiques, chaleureux et soutenants. Oui, on sait que c'est vraiment le pilier de la résilience, c'est ça. Par contre, vous le savez certainement aussi, hein, vous qui êtes psychologue, hein, le développement d'un être humain est très complexe et il y a aussi nos gènes. Et il y a des gènes qui nous permettent plus ou moins de résilier. Moi, je l'ai vu avec certains de mes patients. Il y en avait qui avaient vécu des choses horribles et qui arrivaient à résilier très, très vite. Et d'autres, je trouvais qu'ils n'avaient pas vécu des choses si horribles que ça. Ils avaient beaucoup, beaucoup de mal à résilier. Eh bien, oui, les gènes participent à la notion de résilience. Je voudrais savoir si vous avez regardé ce qui se fait aujourd'hui, enfin sûrement, mais à l'éducation nationale, comment ça se passe, comment c'est pris en compte toutes ces recherches. Alors moi j'ai été extrêmement surprise, quand mon livre est sorti, pour moi j'avais écrit un livre, ça suffisait, hein, je peux vous assurer que j'avais mené toujours une vie discrète et j'avais pas du tout envie d'être dans la lumière. Hein. Au début j'ai été terrorisée, hein. Ah oui, oui. Mon mari, il a cru que j'allais disjoncter, hein. Et on m'invitait à la radio, à la télé, je ne voulais même pas y aller. Eh bien, un des premiers à m'inviter, c'est l'Éducation nationale. J'ai été très surprise et très heureuse de voir qu'ils étaient extrêmement curieux et attentifs à toutes ces nouvelles recherches. Et donc, ça fait des années et des années maintenant que je suis invitée en permanence par l'Éducation nationale.
Alors évidemment que je ne suis pas naïve, je sais que ceux qui m'invitent, c'est déjà ceux qui ont envie de ça. Mais je vois, j'en parlais là tout à l'heure à Rebecca et puis à toi et puis à toi, je vois des, aussi bien des enseignants, des inspecteurs qui maintenant ont intégré toutes ces notions-là et qui font des vrais changements au sein de leur établissement, au sein de leur école et tout. J'ai vraiment confiance, moi, parce que je vois des profonds, profonds changements. Alors, bien entendu qu'il y a les deux, il y en a qui résistent, mais quand la balance fera ça, ça sera bon. Et on ne peut aller que vers ça. C'est pas possible autrement. Puisque maintenant, on sait que c'est comme ça. On a des pistes. Avant, on ne savait pas. Maintenant, on a des pistes. Donc, il faut y aller. Il y a un gros travail à faire. Mais je trouve qu'il est enthousiasmant. Et de voir qu'il y a plein de jeunes et que, on va y arriver. Et quand je vois ce qui se passe dans les pays nordiques, parce qu'ils ont compris ça depuis très longtemps, parce qu'ils ont des très, très grands chercheurs dans les pays nordiques, moi, très souvent, on me dit, mais en France, c'est pas possible. J'ai dit, ah bon ? Pourquoi on serait pas aussi humain ? Parce que c'est une question d'humanité et d'humanisme. Donc, je vois vraiment pas ce qui nous empêcherait d'être aussi humains que les pays nordiques. Donc, moi, je pense qu'on va y arriver. Par contre, faut pas se décourager. Hein, on sait qu'il y a beaucoup de travail, mais chacun met les graines là où il est. Est-ce qu'il y a encore peut-être une dernière question ? Oui ? Oui, mais je le fais avec grand plaisir. Hein. Oui, je vois une dernière question du coup dans le fond. Moi, je pensais aux pédiatres qui rencontrent des parents qui n'ont pas encore eu la chance d'être éduqués de cette manière-là. Qu'est-ce qu'ils conseillent du coup aux parents à l'heure actuelle ? Est-ce qu'il y a une formation pour les pédiatres aussi ? Il y a zéro formation. Eh oui, c'est ça. Parce que ce serait intéressant de commencer par là aussi, en fait. C'est pour ça que j'ai créé un DU qui a commencé l'année dernière pour former les médecins de famille aussi et les pédiatres pour qu'ils connaissent ça. Ouais. Eh oui. Donc, c'est en train de... La France est en train de se mettre en route, hein. Même si on a du retard, on est en train de s'y mettre. Ah oui. Bon, merci beaucoup Catherine, encore une fois pour cette conférence. Et donc effectivement, le cycle de conférences Feel Good donc contient plusieurs conférences tout au long de l'année, et la prochaine aura lieu le 21 janvier. Sera donné par Marianne Ngo et ça sera sur le handicap et le bien-être. Donc, ça sera une conférence qui sera également diffusée en ligne uniquement. Donc, vous êtes les bienvenus si vous voulez nous y retrouver. Voilà. Merci encore Catherine et puis bonne journée à vous toutes et à vous tous.